voyez, l'humilité nous cache. L'humilité, c'est le manteau bleu de Marie. Le diable ne te voit pas. Il voit une lumière, un flash, et la sainteté a une odeur, et puis en même temps, c'est l'éclat. Quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, ou même quand il va sur la montagne, quand il descend, son visage brille. Et comme le diable, c'est les ténèbres, vous savez que si vous enfermez dans une chambre obscure, même la journée, et que vous sortez en plein soleil, vous ne voyez pas clair. C'est trop fort. Alors on se tenait debout, voilà. Demandons l'humilité. Je vous dis que ce n'est pas facile. C'est une chose difficile, très difficile. Parce que on s'aime trop, quoi. Et Marie était prête à être traitée de tous les noms. Tous les noms. Ah, comment? Elle pouvait mourir même. Oui, pardon, on va prendre. Marie, Dieu t'a choisi. Voilà, j'aime ce chant, ça travaille mon âme. Parce que c'est tellement vrai. Alors, pendant que tu te prépares à entrer vraiment, à demander la grâce d'humilité, nous avons besoin. Regardez le champ politique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que le diable domine que par l'orgueil. Personne n'est Dieu. Il y a un seul qui est immortel. Vous savez, des gens voyagent aujourd'hui, d'autres sont arrivés, d'autres sont pas arrivés. Il y a Dieu seul. Marie, Dieu t'a choisi. Oui. Marie, Vierge bénie, Vierge bénie, entre toutes les femmes. Oh Marie, Marie, Dieu t'a choisi pour être mère, de la vie. Une grâce t'a été faite, Marie. Vierge bénie, entre toutes les femmes, touche encore ton cœur, demande cette grâce, regarde de l'humilité, regarde-nous Marie, nous sommes perdus Marie, ils ont pris le fruit défendu, de toi ils n'ont pas peur. Oh Marie, Marie, Dieu t'a choisi. Marie, donne-nous l'humilité. Dieu t'a choisi, Marie. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir. Je vais rassembler toutes les autres grâces, mais je peux vous dire qu'elle s'appelle Notre-Dame de toutes les grâces. C'est-à-dire que toutes les grâces, Dieu a tellement béni Marie. Je vais vous donner un tout petit témoignage sur Marie et ma relation avec Marie. J'ai connu Marie en août. Ah oui, ça fait un an, apparemment. Enfin, ça fait un an, non. En août 90. Entre prier Marie, ou bien m'avoir une dévotion extérieure de Marie, et connaître Marie, ça fait deux choses. Et je t'ai pas allé à cette session, à cette retraite du renouveau, pour ça. J'avais du mal à accepter Marie. J'étais catholique, il n'y a pas de problème. J'étais au renouveau, il n'y a pas de problème. Et je me souviens que, à cette retraite d'approfondissement du renouveau charismatique, où j'étais membre du noyau, il y a une fille, enfin, une sœur en Christ pour qui j'avais prié dans l'ordre de la délivrance. Et je me souviens de ce 14 août 90, elle prend la parole et dit, quand j'étais à la grotte, parce que j'étais au grand séminaire d'Ayaman, elle dit, oui, quand j'étais à la grotte, j'ai senti une odeur, le parfum de Marie. Bon, je te l'avais dit, mais c'est là. Les démons vont revenir en elle. Hein? Ah, je me souviens encore. Et une nuit, moi aussi, j'ai senti, moi aussi, j'ai senti. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui sentent toujours. Hein? Dès que quelqu'un donne témoignage, et tous y sentent aussi. Et le 15 août 90, c'était pénible pour moi. Le père Emmanuel Bailly, parle de Marie, Marie. J'ai dit, mais mon père dans mon cœur, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus. Oh! Quand on a quitté le 16, j'étais dans les mini-cars qu'on appelle le Baka, ici en Côte d'Ivoire, et voici que j'étais fatigué. Hein. Et voilà, je m'endors. Et dans le songe, je vois Jésus en croix, Marie à côté. Et à la place de Jean, c'était moi. Ah, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Prends Marie chez toi. Ça a changé. Je dis Marie. Oh, c'est fini. Chaque fois que je récite le Je vous salue Marie, c'est une vision du Saint-Esprit. Je parle de la dévotion intérieure de Marie. Je parle de pas une imitation extérieure de Marie. Moi, je dis, nous, les catholiques, on devait être les plus grands charismatiques, les plus grands mystiques, les plus grands chrétiens. Parce que vraiment, vous savez, dans l'Église catholique, ce qui fait le catholique, c'est les trois blancheurs. L'Eucharistie, Marie et le pape. Vous allez voir que ces trois blancheurs sont beaucoup attaqués.